Tosin Ayegun peine à retrouver le chemin des filets au Bénin. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube qui fait la promotion du football béninois à travers nos informations, plusieurs informations dans une même vidéo. Des fois, on vient en édition unique. Comme le cas de cette news, on va parler uniquement de Tosin Ayegun, les statistiques de Tosin lors de la rencontre. Bien sûr, ce match Bénin-Sénégal, vous avez suivi un but partout et on a dressé les statistiques de Junior Laitan. C'est le tout de Tosin Ayegun maintenant. Nous vous prions de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de pouvoir donner votre avis en commentaire. Présent, nous allons dresser les statistiques de Tosin Ayegun et chacun fera son analyse, chacun donnera son avis bien sûr. Tosin Ayegun, c'est 90 minutes pour ce garçon, 24 ballons touchés, 0 perdu, 10 passes réussies sur 13. Vous avez vu qu'il n'a pas fait beaucoup de passes dans cette rencontre, un tir et bien sûr un cadré, 0 dribble réussi sur un seul dribble pour ce joueur là, 0 centre retrait réussi sur 1, ça veut dire que le seul centre retrait que Tosin Ayegun a fait, il a raté. 7 récupérations, 0 duel remporté sur 2, il a perdu 7 duels, 1 duel aérien remporté sur 3, 0 occasion créée, 0 coup franc obtenu, 1 faute commise, 0 but, 0 passe décisive. Voilà les statistiques de Tosin Ayegun. Au vu de tout ce qui précède, Tosin Ayegun a fait un mauvais match, s'il vous plaît. Et bon, moi je le disais depuis le stade que Tosin n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un grand match parce que si dans cette rencontre, Tosin Ayegun se défonçait un peu et il se retrouvait, le Bénin pouvait gagner 2 buts à 1. Ouais. Et sur son côté là-bas, c'est vrai que bon, peut-être que le joueur n'affectionne pas trop cette position. Mais il a joué dans cette position plusieurs fois au FC Zurich. Donc c'est pas, ce ne sont pas des excuses. Et il pouvait jouer aussi en numéro 10 à la place de Olaitan. Mais Olaitan, véritablement, c'est un détonateur, ce garçon. Donc Olaitan l'a chassé sur le côté carrément. Parce que Guenotro a joué dans un système 4-5-1 décomposé en 4-2-3-1. Et vous voyez, c'est un peu cela. Et Tosin Ayegun a déçu, même en sélection, il a déçu. Bon, il a marqué 10 buts en club cette saison. Et pourquoi en sélection, ça peine véritablement à prendre. Il faut que ce garçon puisse retrouver ses marques. C'est vrai que lors des rencontres antérieures, il a fait ce qu'il pouvait, mais ça manque un peu plus de finesse. Il est un peu brouillon dans son jeu, je dirais. Donc, il faut corriger tout ça là. Hein? Nous, on n'est pas contre le joueur, on n'est pas contre un joueur ici, mais Tosin Ayegun doit se revoir. Donc voilà les statistiques de Tosin Ayegun. Et si on tombe sur d'autres statistiques, on ne fera pas de ça ici dans ces news. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, donnez vos avis en commentaire. C'était moi le 3 en 1, surdoué des finances du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Donc à respecter, El Cholo.